Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve. Alors aujourd'hui, la vidéo s'adresse plutôt pour les plus jeunes. On va revoir des pas de base. Ça peut être toujours utile. Avant, on va s'échauffer. Donc on s'assoit, on prend le temps d'échauffer ses articulations. D'abord, le dessous des pieds, on savonne, imaginez, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Les orteils, voilà, on réchauffe. Les pieds, voilà, les chevilles. Encore, deuxième pied, même chose. D'abord les orteils. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on réchauffe. Voilà, pour ne pas se faire mal. Les chevilles, voilà. On fait oui avec ses pieds. Voilà. On fait non avec ses pieds. Tournons le dos. Voilà, tournons le dos, on lâche la tête. On pose une main, un pied, on rebondit. 1, 2, 3, 4, on tend ses jambes, on lâche la tête. On fait oui avec sa tête, on fait non avec sa tête, on prend le temps pour dérouler son dos, imaginez l'escargot, rappelez-vous, qui sort de sa coquille, on prend son temps, on prend son temps, on prend son temps, on a le droit de réveiller son dos, sa tête, ses bras, voilà, on prendra le temps, on a le droit d'aller danser dans sa bulle magique, on s'en souvient? Voilà, une fois qu'on est bien échauffé, on peut y aller. On va commencer par les pas chassés latéraux, alors, pas chassés. On sait faire, on se souvient. On part à droite, à gauche en chassant. On déplace la jambe, puis l'autre vient la chasser. Chasser, chasser et on s'arrête. On va repartir dans l'autre sens. Pas chasser, 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 fermer. Après on rajoutera les touches, mais on va les revoir d'abord. Et pas chasser, 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 fermer, deux pieds sixième. Et dans l'autre sens, pas chasser, 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 fermer. Dernière fois pour revenir au centre, pas chasser. Alors après, on varie la vitesse, on peut accélérer. On va essayer en musique. Doucement. Chasse, chasse, ferme. Chasse, 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 ferme. Encore. Chasse, un pied qui chasse l'autre sur le côté, fais un sixième, fais coller, chasser, 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 ferme. On essaie la même chose un peu plus vite, on accélère et chasse. De base, toujours pour les plus jeunes, cette fois, pas chasser en avançant. On a fait latéral, tout de suite, c'était sur le côté. Maintenant, en avançant. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit en gardant la même jambe devant, un peu plus simple, soit après, en inversant une jambe après l'autre. Pour l'instant, simple. Juste, j'avance un pied, alors position quatrième si on veut, ou alors sur le côté. Et en fait, la jambe de derrière va chasser la jambe de devant pour avancer. Chasse. Chasse, on peut rester plié parce qu'on fait du jazz. Chasse, encore une fois, on change de jambe. Cette fois, la jambe gauche, on l'avance. La jambe, toujours la jambe de derrière, chasse la jambe de devant. Chasser, 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 chasser. On peut rester les jambes tendues, on a moins de mobilité au niveau des articulations, c'est moins sympa. Comme on fait du jazz, on est proche du sol, normalement, c'est parti. Donc toujours, une seule jambe devant. Jambe droite, on avance. Chasser, chasser. Chasser. Toujours la jambe de derrière qui chasse la jambe de devant. Avec l'autre pied, on pose devant et on chasse. On chasse. On chasse. Donc on pourrait aussi le tenter en reculant. Pour l'instant, juste en avançant. Juste des pas chassés. Maintenant, on complique. À droite, à gauche. Même principe. C'est toujours le pied de derrière qui chasse le pied de devant. On avance un pas. Jambe droite. Chasser. L'autre pied, chasser, poser, chasser,
poser, chasser. C'est presque plus compliqué quand on fait doucement. Avec la vitesse, on y arrive. Pas chasser et pas chasser. Pas chasser et pas chasser. Pour l'instant, j'aime pas la négation au niveau des bras. Vous pouvez les mettre où vous voulez, soit sur les hanches, de marque effectivement, au niveau de l'élastique du pantalon, soit derrière le dos, comme vous voulez. Pas chasser en changeant de jambe, je mets les mains derrière pour tenir notre dos. Et un pas chassé, un pas chassé, un pas chassé, un pas chassé en musique. On va derrière le dos, on tient son dos à droite en avançant. Pas chassé, 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 chassé. C'est avec la jambe gauche. On peut partir de la sixième, on avance le premier. Pas chassé, 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 chassé. Chassez. Allez, on essaye d'intervertir les deux pieds à droite, à gauche, doucement. Et un pas, chassez. Un pas, chassez. Un pas, chassez. Un pas, chassez. On essaye plus vite. Pas chassez, pas chassez, pas chassez, pas chassez. Encore. Un pas chassé, un pas chassé. On peut aller partout? Pas chassé, pas chassé, pas chassé, pas chassé, pas chassé. Alors, troisième pas de base qu'on va voir aujourd'hui, les marches touch. On se souvient tout à l'heure, on a frotté sous nos pieds. On imagine qu'on y a mis de la peinture. On sous les dessous de pieds, on a de la peinture. Ça peut nous aider au niveau justement des appuis, de sentir effectivement le mouvement. Là, comme les pas chassés, on va avancer un pas, un pied, voilà. Et avec le deuxième qui va arriver, le bout du pied, on va faire un tampon avec les orteils. Vous voyez les tampons qu'on fait effectivement sur les feuilles blanches. Donc avec le bout des orteils, la demi-pointe, on fait un tampon, d'accord. Le pied qui vient de faire le tampon, c'est lui qui va repartir. Marcher. Le pied qui arrive, hop, tampon, touch. Le pied qui vient faire le tampon, il repart. Marche, touch. Alors, on ne pose pas tout son pied, juste l'avant du pied, ce qu'on appelle la demi-pointe, effectivement. Donc, le talon reste en l'air. Donc, le pied qui vient d'arriver, il repart. Marche, touch. Marche, touch. Pour ne pas qu'il y ait de jaloux, c'est un pied après l'autre. Encore une fois. Au départ, on part les deux pieds sixième. On avance un pied. Voilà, tout le pied, toute la surface du pied au sol. Le pied qui arrive, c'est lui qui va faire le touch, le tampon. Tampon, touch. Et c'est lui qui repart. Marche, touch. Marche. Le premier, il est à plat. Le deuxième vient faire le tampon. Et c'est celui qui a fait le tampon qui repart. Marche, à plat, touch. Marche, touch. Marche. Touch. Celui-ci, il est un peu plus compliqué, parce qu'on dit aussi une jambe après l'autre, effectivement. Et deux pieds ne font pas exactement la même chose, c'est pour ça. Mais on va le revoir. Et dès qu'on se revoit, on le fait. Et jambe droite, marche. Pied gauche, touch. Pied gauche, touch à droite, pied droit. Touch à gauche, pied gauche. Touch à droite. On pense bien, à chaque fois, c'est juste l'avant du pied, donc on soulève effectivement le talon. Allez, on essaie en musique. C'est parti pour nos tampons. Marche, touch, doucement. Avance, touch. Marche, touch. Marche, touch. Premier, on le pose. Deuxième, on vient toucher. Marche, touch. Marche, touch. Même chose, on peut mettre soit les mains sur les hanches, soit derrière le dos pour pas que ça paraisse vite. Toujours tranquille, on va pas trop accélérer non plus. C'est pas facile, facile. Marchez. Touch. Marche. Touch. Marche. Garde bien sur notre demi-pointe. Touch. Marche. Tampon. Marche. Tampon. Encore une fois. On va accélérer un tout petit peu. 5, 6 et. Marche. Touche. Marche. Touche. Marche. Touche. Marche. Touche. Marche. Touche. Marche. Touche. Marche. Touche.
c'est bien la jambe qui vient d'arriver, qui fait le touch, le petit tampon qui repart. Dernière fois. Marche, touche, marche, touch, marche, touch. On va redéhancher et aller se promener. Marche, touch, marche, touch, marche, touch, marche. On peut se promener où on veut, faire des petits tambours partout, dans son salon. Marche, touch, marche, touch, marche, touch.